bien, salut toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, écoutez-moi ça. Concentrez-vous, est-ce que vous entendez? Allez, faites un petit effort là, on entend bien. Et oui, j'ai rajouté un nouveau mode, Ambient Sound, ça y est, il est enfin disponible en 1.16, donc c'est le nouveau mode que j'ai rajouté, donc qui rajoute des bruits d'ambiance pour ce 11e épisode de notre survie série, notre série survie modée, voilà, en 1.16 avec donc Ambient Sound en supplément. Donc je vous rappelle, ce mode est fantastique, regardez, on va aller juste sous l'eau 2 secondes, écoutez-moi cette beauté, 3, 2, 1, je me tais. Hein, franchement, montez-moi le volume, est-ce que c'est pas fantastique? Non, franchement, ça rajoute un petit côté très 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 sympa. La nuit, on entend les grillons, etc. Enfin bref, c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, nouvel épisode donc de notre série Survie Modée. Merci infiniment les amis pour tous vos retours sur les derniers épisodes. Je vais vous dire, je tourne beaucoup d'épisodes à la suite parce que si j'ai bien calculé mon coût, au moment où cet épisode-là sortira, je ne serai plus chez moi. Voilà, je me prends 4 petits jours de vacances dans les Vosges. Donc voilà, donc j'ai vu un petit peu les retours sur l'épisode où j'étais la première fois dans le Nether. Donc j'ai peur aussi de vos réactions en fait sur les derniers épisodes qui sont sortis où j'ai un petit peu foiré le Nether encore une fois. Mais voilà, je me rattrape aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas envie de me prendre la tête et je vous ai dit, cette série, c'est nos prises de tête à la base, d'accord? Donc vraiment tranquillou bilou, c'est pour ça que j'ai rajouté ce mode Ambient Sound. Aujourd'hui les amis, on va se faire une machine automatique à bambou. Pourquoi? Bah parce que clairement niveau bois c'est cool, mais ça me fait chier à chaque fois de devoir couper du bois pour avoir des sticks, et ça me fait chier de récupérer le bambou manuellement. Donc aujourd'hui on va se faire une ferme à bambou, et ça tombe bien les amis. Pourquoi? Parce que il me faut des observeurs, et pour faire des observeurs il faut du quartz, et le quartz je rappelle qu'on en a récupéré dans le Nether si je dis pas de bêtises. Attendez, bougez pas. Nether, non, quartz. Alors j'en ai pas là. Ah voilà, j'en ai là. C'est pas énorme, mais ça suffira largement. Donc on va pouvoir se faire plaisir. Alors j'ai... Oui, je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi en off. Regardez, boum, j'ai mis les coffres en bas. Et regardez comment c'est beau. On voit pas l'item frame. Pourquoi donc? Eh ben parce qu'en fait, ce n'est pas un item frame normal. C'est un glass item frame que j'ai mis juste ici, qui vient du mode quark. Et donc voilà, pour faire ça, il suffit de prendre un item frame et de l'entourer de glass pane. Et c'est super stylé, parce que du coup... Hop, ça te permet, voilà, de faire disparaître le machin, c'est juste génial. Donc voilà, les coffres sont bel et bien rangés. Là, il y a tout ce qui est bloc. Et ici, j'ai fait un petit chemin. Voilà, un petit chemin. D'ailleurs, j'ai pu expérimenter l'Iron Hammer Efficiency 3. C'est juste fantastique, regardez. Regardez. Regardez la rapidité, c'est n'importe quoi. Donc en fait, je me suis fait une petite cave qui rejoint juste ici, regardez, vous le voyez, eh bien, le portail du Nether. J'ai mis quelques barrières pour me sécuriser et donc pour descendre, eh bien, en bas dans les mines de manière tranquille. Vous m'avez suggéré également de sécuriser un petit peu plus ici, l'entrée de la mine. C'est ce qu'on fera, voilà. Aujourd'hui, c'est un épisode chill, faut qu'on sécurise tout ça. Et ce que j'aimerais faire en fait, j'aimerais, comme là ici c'est vraiment la cave de la maison, ici on va pouvoir se faire plaisir. Et vous vous rendez compte, c'est ça ce qui est bien, c'est que voilà, ici il y a notre maison, elle est petite mais elle est mignonne. Et en fait à l'intérieur on aura tout un truc. Et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui pour cet épisode, c'est que ici on va mettre la table d'enchantement level 30. Ici enclume machin, mais surtout donc à quelque part ici on va se faire la machine automatique pour récupérer les bambous. Donc j'avais déjà fait ça sur ma aventure, mais aujourd'hui je vais le faire en vidéo, comme ça je vais vous montrer comment ça fonctionne d'ailleurs pour ceux qui voudraient savoir, même si je pense que vous connaissez. Alors j'ai juste donc récupéré ça. Ce qui m'embête un petit peu c'est que je vais devoir récupérer à l'état... Bah oui, j'ai pas de hache. Donc dans tous les cas voilà, je vais récupérer les livres, c'est un petit peu dommage. Mais attendez, il me semble qu'il va me... Voilà. Alors je sais pas, regardez, je récupère le nombre de livres exact. Soit ça vient du mode Vanilla Twix, ou soit c'est juste une nouveauté parce qu'il me semblait que en Vanilla, en tout cas à l'époque, c'était aléatoire, malheureusement c'était du gâchis. Donc je ne sais pas. En tout cas voilà, on va se faire ça aujourd'hui pour cet épisode. Donc vous l'aurez compris, c'est par ici. On va donc placer, alors laissez-moi donc réfléchir, la table enchantement, on va l'enfoncer ici. Encore que je casse ici. Hop, on va casser par là et par là. Voilà, comme ça, il y a toujours le mur ici, c'est sympa. Faut juste que je refasse des torches et globalement des éclairages parce que j'ai plus rien. Donc, bah attendez, je suis un tocard, le charbon il est là-dedans. Vous voyez, c'est ça ce qui est cool, c'est que ma salle des coffres est juste à côté, donc j'ai pas besoin de faire des allers-retours trop chiants, vous voyez. Hop, tac, je viens ici, enfin c'est juste fantastique quoi. Bon, malheureusement, je vais devoir user encore du bois pour faire des sticks, j'ai la flemme de chercher le bambou.
Mais bientôt ce sera fini cette histoire, hein, voilà. J'avais pas besoin de prendre des bûches, hein, très sincèrement. Alors, on va se faire donc des torches, et donc il me faut des pépites de fer pour faire des lanternes. Si je dis pas de bêtises. Bougez pas. Exactement. Parce que je pense que ce sera bien mieux. Ah bah j'ai pas assez de pépites. Je me disais bien qu'il y avait une couille dans la patouille. Alors attendez, bougez pas. Voilà, parce que j'ai envie de m'en faire plusieurs tant qu'on y est. Voilà. 9, c'est pas mal. On peut en faire plus encore. Voilà. 16, beaucoup mieux. Impeccable, je vais garder ça sur moi. Donc les amis, pour faire la machine, attendez, d'abord la bibliothèque. Attends, je pars dans tous les sens, j'ai beaucoup de canne à sucre. Normalement j'ai beaucoup de cuir. J'ai fait des items frame avec, voilà. C'est vraiment impeccable. Bah du coup j'ai quand même besoin de prendre du bois. Et voilà, donc on va se faire plein de papier. On va se faire plein de bouquins. Ils sont où? Alors attendez, je suis aveugle. C'est pas grave, je vois pas les bouquins. Je vais les crafter moi-même. C'est bizarre. Oui, bon, c'est bizarre, je les ai pas vus ici. Peut-être que je suis juste aveugle. J'ai des plus... Alors attendez, bougez pas. Déjà, vous inquiétez pas au niveau de la canne à sucre. Mais attendez, j'ai du papier partout ici. Mais surtout, regardez, niveau canne à sucre, on est vraiment très très bien. Je veux dire, à un moment donné, hein, faut pas se foutre de ma gueule. Juste... Ah si, ils sont là les bouquins, j'avais pas vu. Hop, voilà, ça nous fait pas mal de bouquins. Là, on va quand même pouvoir bonnement se faire plaisir, je pense. Attendez, je vais tout prendre, hein, ce sera plus simple. Alors, hop. Et ben voilà, 22 bibliothèques. Je crois que ça suffit, non? Ah. Entre nous. J'avais vu qu'on pouvait faire, regardez, pressure plate. Il y a beaucoup trop de choses à faire, mais on peut faire des des willow pressure plate. On peut faire... Donc ça, ça vient du biome, du mode biomes aplenty. Mais en fait, regardez, je peux faire... attendez, c'est où que j'ai vu ça? Voilà, obsidienne. On peut faire des plaques de pression en obsidienne. C'est du top délire. Voilà, c'est juste du top délire. Alors... Là, ça y est, on entend les grillons la nuit, là, c'est magnifique. Alors, tac, tac, tac. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ça fait beaucoup de tac, 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 je m'en excuse. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Je peux enchanter ça. Niveau 30, c'est nickel. D'ailleurs, les amis, je suis heureux. Je suis un heureux possesseur de crossbow. Donc, une arbalète. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, je me suis fait attaquer par un pillager. Donc, faut juste faire gaffe. C'est que maintenant, ça y est, il y a des pilleurs qui sont en train de rôder dans le coin, les amis. Mais il y en avait juste un. J'ai pas eu Badomen, je vous rassure. Mais voilà. Juste pour dire que ça y est, il y a des pilleurs qui commencent à venir. Donc, ça me fait un petit peu peur. Va vraiment falloir que je sécurise, eh bien, tout cet endroit. Ça me fait un petit peu peur. Mais en tout cas, voilà, j'ai une arbalète. Donc, ça fait plaisir. Je me suis aussi pris l'arc, du coup, qui était dans le coffre. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les bibliothèques, c'est bon. Juste, on va éclairer en bas avant que des monstres spawnent. Et on va juste réfléchir pour la machine. Ah, j'ai peur que des monstres spawnent là, je vais pas vous mentir. Ici, il faudra mettre des portes pour pas. Si jamais là, il y a des méchants du Nether ou quoi, histoire qu'on soit safe, tu vois. La machine, on va la faire où, tiens d'ailleurs? On va la faire où? Ici, j'ai l'enclume. Alors, il y a des mines à côté, vous entendez les zombies. J'ai très très hâte de découvrir où ils sont. Attendez, il doit être par là. On va voir. Il doit être par là. Ouais, je m'en rapproche. On va enfin pouvoir safe cet endroit, je crois. Alors, il est plus en bas. Ah, voilà. Eh ben, voilà. On a compris d'où viennent les zombies. Enfin, les bruits à chaque fois qu'on entend. Ok, vas-y, j'y vais, j'ai du stuff. Bonsoir. Ah, petit coquin. Ok, voyons voir. Voyons voir. Alors, on va juste sécuriser à donf. Comme ça, les zombies spawneront plus. Ça dégage. Voilà, je suis pas l'un des plus rassurés. Ok. On va se calmer direct. Ah ouais, là c'est chaud. Là c'est chaud. Là. C'est très très chaud. Allez, ça dégage. Ok. Putain, ils sont nombreux quand même. Hein. Alors mon bouclier va me lâcher, on va juste faire attention. Hop, là il me semble que ça rejoint. Ouais, ça tourne en rond. J'aimerais bien récupérer sa gunpowder, je vais pas vous mentir. Oh putain, je suis deg. Ah non, c'est bon. Ok, et évidemment il m'a rien looté. Ok, donc là ça tourne en rond, c'est safe. Attendez, là-bas il y a un autre chemin. C'est vraiment histoire parce que là c'est juste en dessous de notre maison en fait. C'est juste en dessous de la maison et c'est eux qu'on entend à chaque fois, à chaque épisode. Ok, c'est bon. Si jamais il y a du minerai à récupérer. Regardez. La terre elle est juste au-dessus, c'est là où il y a les arbres, juste au-dessus, c'est génial. Là on a des minerais à récupérer si jamais, ça c'est génial, on a beaucoup de fer, beaucoup de charbon, putain il y en a vraiment beaucoup. Et là ça continue, on entend les vaches juste au-dessus, il y a encore du fer. Et normalement ça va être un cul-de-sac, oh.
Mais c'est génial. Ok. Salut, big up. Bon bah voilà, au moins il y aura plus, on n'entendra plus de monstres sous terre. Ça c'est cool. Voilà, là on est vraiment cool. On est vraiment good, pardon. Et bah du coup la machine on va la faire là. Voilà, on va la faire ici, la machine à bambou. Ah c'est pas une bonne idée. C'est juste en dessous de la maison, on va entendre le minecart et tout, ça va être chiant. Ah ouais, non, faut pas faire ça. On va le mettre plutôt là en vrai. Parce que là c'est moins en dessous quoi. On va le faire là, on va faire là la machine, c'est une très très bonne idée. Donc là on va juste faire de la place, vous voyez l'avantage avec cette... Ah oui non ça j'aime pas du tout par contre. L'avantage avec cette... avec ce marteau et non pas cette hache. Ah ça j'aime pas non plus. C'est pas grave. Oh on entend des pilleurs. J'ai entendu encore un pilleur. Oh non mais les gars on est dans le caca là les gars. Oh là non. Ah. Ok. Ils sont beaucoup trop nombreux. Oh non, il y a le chef et tout. Oh, ça y est. Alors là, les gars, bonsoir. Alors attendez, je vais les provoquer, tu sais quoi, avec ma crossbow. Et parce que c'est vrai que c'est stylé en vrai. Je vais en profiter. Attendez, il est où le chef? Je vais buter le chef. Allez, barrez-vous. Alors attendez. Attendez. Il est là-bas. Bouge pas. Hop. Ça y est, je l'ai attaqué, je vais avoir bas domaine, je m'en fous. Comme ça on pourra se faire un raid prochainement. Voilà. Moi j'ai même pas. Alors du coup j'ai plein d'achievements mais j'ai pas. Ah si j'ai bad omen, ça y est. Je vois en haut à droite. Pourquoi je le vois pas Ah si il est là voilà. Ah, je viens de découvrir qu'on le voit pas. Ah. Attends. Viens on est potes. Voilà bah. Allez ça dégage. Donne moi ton arbalète. Voilà. Bon les amis, ça y est, on se fait attaquer, c'est incroyable, j'adore. C'est ça, vraiment, je kiffe cette série, il se passe tout le temps quelque chose. Et je vous remercie encore une fois pour vos commentaires, vraiment. Là j'ai de très très bons souvenirs sur vos derniers commentaires. Alors peut-être pas les deux derniers épisodes, comme dit, j'ai pas pu encore voir vos retours forcément. Mais les épisodes d'avant, voilà, ça me fait trop plaisir de voir vos commentaires. Genre ça vous fait penser à Madventure première saison, etc. Enfin c'est vraiment trop cool. Et moi très sincèrement ça me rappelle aussi ça. Parce que je veux dire là ça me rappelle vraiment cette joie que j'avais de jouer à fond. Voilà. J'ai ramené les cochons en off aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est incroyable, maintenant vous le savez. Voilà, il se passe trop de choses, c'est bon. Voilà, je suis plus embêté, je peux faire mes affaires. Alors. Alors. D'ailleurs, oui, pour le Nether, oui, vous me l'avez dit et je me suis de nouveau renseigné sur internet, je suis trop con. Pour apprivoiser les loups, c'est bien avec du charbon, mais il faut qu'on ait bu une potion de fire résistance. Voilà. Dans tous les cas, il faut qu'on ait la fire résistance, sinon ça ne marche pas. Donc, dans tous les cas, on va se faire allumer. Et donc, on n'a pas le choix de soit trouver une alambic à quelque part dans le monde normal, ou soit de se faire allumer par les chiens. Donc, pour le moment, je crois qu'on va devoir faire avec. Alors, attendez, c'est par ici que je vais faire la machine. Donc, on va se faire un maximum de place. J'ai énormément d'œufs que j'ai récupéré des poulets, c'est juste incroyable comment ils se sont reproduits, enfin, c'est vraiment phénoménal. Donc on va pouvoir se faire cuire des œufs. Ok, bon là on a assez de place pour faire la machine, très sincèrement, c'est juste que je suis très gourmand et que je vois les choses en grand. Et j'aime bien avoir de la place. Notre petite cave, là on pourra se faire des murs personnalisés, ça va être très très mignon, je vous le dis. Hein. Tu vois là ça fait partie de notre maison, c'est vraiment trop trop cool. Je récupère toute la cobble, je vais me faire de la place dans l'inventaire et puis on va prendre tout ce qu'il nous faut pour faire la machine. Hop, tout ça. Ouais. J'aimerais. J'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Le marbre aussi, ça dégage. Les minerais. Waouh. Ah oui, mais c'est normal tout ça. Ok, j'ai du charbon aussi. Donc on va faire fondre à l'intérieur ici. Hop, le quartz, bah j'en ai besoin en fait. Le papier, j'en ai plus besoin. Le bois, je n'en ai plus besoin, je crois. Hop, le charbon ici. Et mon arc, j'en ai pas besoin. Voilà, ça dégage. Non, mais ça, j'en ai besoin. Excusez-moi, je suis un peu dans la galère. Ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Alors, pour faire la machine, j'ai encore la vidéo à côté si jamais tutoriel. Il me faut, quoi qu'il arrive, un minecart avec. Avec Hooper. Et pour ça, il faut un minecart et un Hooper. Ah non, eh, on peut faire. Oh là là, vous voyez, ça vient du mode Quark et c'est juste génial. Plutôt que faire séparément un minecart, eh ben tu vois, tu peux le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, tu dois faire comme ça. Mais là, du coup, ça revient complètement au même. C'est incroyable! Ok. Du coup, j'ai besoin du fer. Non, en réalité, je l'ai rangé, mais j'en ai besoin. Hop, du coup, je peux faire. Un minecart. Bah du coup tu sais quoi, on va faire le craft qui me dit comme ça va être mignon. Je veux d'abord faire un hooper. Comment on fait un hooper?
Il y a un truc qui... Ah, attendez, je sais, il faut un coffre. Ça, c'est relou. Il faut un coffre. Hop. Hop. Voilà. Le Hooper. Et donc là, regardez, je vais faire le craft directement. Comme ça. C'est trop drôle. Minecraft with Hooper. Maintenant, il me faut des rails. Il me faut des rails normaux. Ok, il faut des sticks. Attendez, ça fait combien? Ça m'en donne 16, bah ça suffit, ça suffit amplement. Par contre, il me faut aussi des rails booster. Alors, gold, redstone et stick. Alors, gold, redstone. De toute façon, j'aurais besoin encore de redstone, je le sais. Et stick. Allez. Ah non, mais attendez, j'ai du bois sur moi, c'est bon, bougez pas. Hop, tac. Je vous montre, voilà, c'est vraiment le making of comment faire une usine à bambou. Peut-être que ça vous intéresse pas, mais voilà, au moins je vous montre en vidéo, c'est sympa, je le fais en vidéo, ça fait plaisir. Voilà, maintenant j'ai ce qu'il faut. On va également faire tout de suite les torches de redstone, voilà, pour alimenter les power dry. Et je crois que c'est tout. Bah non, mais du coup il faut les observeurs, et pour ça il faut de la cobble et du nether et de la redstone. Très bien. Donc j'ai tout ce qu'il faut sauf la cobble. Hop, les observeurs, ils sont, je les ai vus. Non, c'est des droppers. Là, juste là, on va en prendre... Bah voilà, on va en faire 10. Tout juste, c'est très bien. On peut en faire autant qu'on veut en réalité. Hein. Mais 10, c'est très très bien. Et c'est tout. Ah, il nous faut du... Ah, des escaliers pour pouvoir placer l'eau à l'intérieur, parce que vous savez, bah non, les bambous ils ont pas besoin d'eau. En fait, parce que c'est un système qui marche avec la canne à sucre, et la canne à sucre a besoin d'eau. Et en fait, bah moi je veux faire des bambous, donc j'en ai pas besoin. Et j'ai pas envie de faire une usine à canne à sucre parce que j'en ai pas besoin non plus, je peux récupérer facilement alors que le bambou c'est chiant. Bah je crois que j'ai tout. Je crois que j'ai tout, je vais me rendre compte que j'ai pas tout en fait. Ah, bah attendez, il me faut. Ah, il refaut des hoopers encore. Oui, oui, bien sûr, il refaut des hoopers. Il refaut des hoopers, il en faut deux. C'est pas obligé en vrai. Hein. Je suis en train de réfléchir, mais le système, je vais le faire à ma façon, les gars. Il faut un coffre aussi. J'ai. Attendez, je vais en faire du coup. Je suis perdu dans ce que je fais. Ah, c'est quoi? Chute. Vas-y, je prends. Je sais pas ce que c'est. Hein. C'est, ça vient des mods, hein, donc je découvre. Moi, ce que je voulais, c'était un hooper. Voilà. Vas-y, j'en fais juste un. Mais oui, j'ai pas besoin d'en faire plus. Vas-y, j'ai pas besoin d'en faire plus. Allez, c'est bon. On va voir. Franchement, j'ai même pas besoin de la vidéo à côté de moi. Je pense que je vais y arriver moi-même. Regardez. Alors, voilà, j'ai pas besoin de tout ça. Par contre, j'ai besoin de terre. Attendez, bougez. Excusez-moi, je m'excuse infiniment, mais j'ai besoin de terre pour pouvoir tout simplement planter les bambous. Bien évidemment. Ok, maintenant, normalement, tout est bon. Tout est bon, normalement. Alors, je vais enlever tout ce que j'ai pas besoin parce que sinon, je vais avoir du mal dans mon inventaire. Voilà. Donc, laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Il va falloir que je fasse quelque chose. À savoir. je suis perdu. Tac, 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 bougez pas. Et ce qu'on va faire. Ici. Là, en fait, il y aura le hooper. Parce qu'en fait, attendez. Là, il y aura le coffre. Où je récupérerai. Donc, il faut que je fasse comme ça. Hein. Voilà. Très bien. Là. Je vais mettre un rail booster. Là, des rails. Ça passe aussi au-dessus. Donc en fait, pour vous expliquer, il y aura les bambous, ils se casseront automatiquement. Ça ira dans le minecart hooper. Et ça ira là et ça se déposera dans le coffre, hein, directement, automatiquement. Voilà. Ouais, voilà. On va le faire grand comme ça, ça suffit largement. L'autre rail booster, je vais le mettre là. Et puis voilà, jusque là tout est bon. On va direct, pour pas perdre de temps, pour pas s'embrouiller, alimenter voilà le rail booster. Ok. Jusque là c'est bon, il me semble. On devrait être pas mal. Est-ce que j'aurai assez d'observeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais c'est bon, j'en ai 10 et ça fait 9, donc c'est impeccable. Je fais juste un test. Ouais c'est bon, juste ça aurait été con que ce soit pas bon. Ok, donc là évidemment je vais mettre un bloc. Tac, bon pour le moment c'est des blocs de cobble. Mais une fois que je serai sûr que c'est bon, je changerai les blocs, bien évidemment. Alors Tac. Je vais mettre de la cobble ici. Je vais mettre de la dirt ensuite. Si je dis pas de... Non c'est la dirt que je mets d'abord. Attendez, bougez pas. Je suis perdu, est-ce que c'est direct? Oui bien sûr, je vais mettre tout de suite la dirt. Et en fait là il y aura le bambou. Mince. Là il y aura le bambou directement. Est-ce que j'ai de la place en haut? Ce serait con. Ouais non attendez, bougez pas. Il me faut de la place encore.
Ouais, ça devrait le faire. Ouais, si, si, c'est impeccable. Faut faire de la place également en hauteur. Et j'ai tout pile ce qu'il me faut. Donc c'est vraiment nickel. J'ai plus de torches. Ah, j'ai plus de torches. Ça, c'est con, ça. Pour éclairer. Attendez, bougez pas. Voilà, j'ai une torche ici, je suis bête. Donc je vais la mettre là. Voilà. On se fait un maximum de place. Je suis un petit peu, vous savez, j'ai besoin d'espace. Ok, maintenant... Maintenant... Ah, il faut des pistons. Je savais qu'il manquait quelque chose. Il faut des pistons. Bah, il n'y a pas de souci. Attendez, dis-moi comment on fait. Il y a pas besoin de pistons collants, c'est ça l'avantage. Voilà, oui, c'est bon. Très très simple, très très simple. Il faut juste du bois encore, évidemment. Ouais. Hop, je suis en train de claquer tout le bois. Les pistons. Bah, il m'en faut 9, je crois. Voilà. Mais dans le doute, je garde sur moi. Alors, bon, cet épisode va être un petit peu plus long, les amis. Hein. J'ai vraiment envie de tout faire en vidéo et sans aide à côté de moi. Alors, il faut ensuite que je mette les pistons normalement juste là. Mais non, c'est complètement con. Je suis un connard. C'est débile. C'est juste au cran d'au-dessus, en fait. Là, exactement. Exactement, jeune Padawan. Je vais vous expliquer tout ce que je fais, pourquoi je fais ça. Voilà. Et j'en ai tout pile assez. En fait, là, il y aura le bambou. D'accord ? Voilà. Et juste au-dessus, on va mettre les observeurs. Et en fait, dès que... En fait, vous voyez, il y a... Je vais mettre comme ça. Le bambou, il sera niveau 1. Ensuite, il sera niveau 2. Et dès qu'il sera au niveau 3, il sera détecté par l'observeur. Et du coup, il va déclencher le piston. Et ça va casser les deux du dessus. Tout en laissant le dessous pour que ça repousse. Voilà. Je pense que c'est la meilleure explication que j'ai pu faire. Alors, bougez pas. Il faut que je réfléchisse. Ah ouais. Le problème, c'est qu'il y a la mine derrière. C'est pas grave, c'est pas grave, on va faire avec. C'est pas grave. Donc là, il faut que je mette de la redstone, je le sais. Juste derrière. Ah, oh, j'aurais pu utiliser mon marteau, mais c'est pas grave. C'est bon, je suis au bout là. Attendez. Je suis au bout. Donc là, je vais mettre la redstone qui va, voilà, tout faire pousser. D'accord, jusque là, tout va bien. Je vais juste me permettre, les amis, de refermer derrière, au cas où. Voilà. Et là, ce qui me fait peur, c'est que je sais plus comment faire. Pour moi, bah oui, c'est évident, les observeurs ils doivent être comme ça. Oui, je dis oui monsieur, c'est ça. Voilà. Et il faut rajouter des blocs ici, tout simplement, et c'est fini les gars, la machine est finie. Croyez-le ou non, mais la machine est terminée, si je dis pas de bêtises. Alors on va faire un test très rapidement, ça va être vite vu. Ok, du coup voilà, je vais juste prendre du bambou. Ah, je croyais que j'en avais un sur moi, mais il me semble qu'il y en a un juste ici. Eh, bien joué ça. Ah bah non, mais c'est débile, il m'en faut 3 pour faire le test, je vais pas attendre que ça pousse et tout. Attends, c'est chiant. Attendez, bougez pas. Je rappelle que j'ai pas d'omen, hein. Attention, hein. Mauvais présage. Hein. j'ai peur de ce qui va m'arriver, et je pense que dans le prochain épisode, les frérots, on va se faire un raid, hein, si vous êtes chaud. Moi, je suis grave chaud. En vrai, et on verra ce qu'ils proposent les PNJ, là, s'ils ont des trucs intéressants. Voilà, je vais récupérer un petit peu, comme ça, ça me permettra de planter directement. Voilà, on va voir si ça fonctionne, j'ai très très hâte. Normalement ça fonctionne, hein. Et si ça fonctionne, je suis fier de moi. En vrai, elle est pas compliquée la machine, mais j'ai tout fait de mémoire. Voilà. Donc ça fait plaisir. Alors voyons voir. J'avais au cas où la vidéo à côté, mais je l'ai pas lancée, donc voilà. Attention, tac, tac. Alors comment je peux faire? Oh putain, ça fonctionne. Ça fonctionne du feu de Dieu. Ça fonctionne du feu de Dieu. Et ben voilà. Donc maintenant ce qu'il va juste falloir faire, bon déjà il va falloir rendre ça un petit peu plus joli, mais surtout on va mettre des vitres pour pas que la canne à sucre parte dans tous les sens. Parce que là vous vous doutez, la canne à sucre, les bambous excusez-moi, sinon il, voilà, ça va pas récupérer. Donc faudra juste mettre du des vitres, bah on va faire ça dans le prochain épisode, parce que vous aimez les épisodes un petit peu plus courts, donc ça me fait plaisir. Voilà, on va s'en arrêter là pour cet épisode et on continue ça les amis dans le prochain. Et le raid, je pense qu'on fera ça dans 2 épisodes. Voilà, ça tombe bien parce que je dois faire quelques épisodes à la suite du coup pour prendre de l'avance, comme je pars en vacances pendant 4 jours. Donc voilà, ça fait plaisir, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de parler de cette série à vos potes, de ma chaîne YouTube en général à vos amis, et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, je vous fais des bisous. Ciao ciao tout le monde.